12h15 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Bienvenue dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations de la mi-journée. La Coupe d'Afrique, on est à 2 jours de la fin de cette compétition. Demain, ça sera la finale tant attendue entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ça sera à 21h. Et aujourd'hui, place à la petite finale, le match pour la 3e place au classement entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Les deux sélections qui ont perdu en finale. On rappellera la République démocratique du Congo qui s'est inclinée face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, 1-0. Et l'Afrique du Sud qui a été éliminée au tir au but face au Nigeria, alors que la rencontre s'est terminée sur un score de parité, 1-0. Donc les deux malheureux vaincus la troisième, plutôt des demi-finales, s'affronteront pour une place de prestige, celle de la 3e place. Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur de la République démocratique du Congo, Sébastien De Sabre. Alors, on est extrêmement motivé pour jouer cette 3e place. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour jouer du début jusqu'à la fin. C'est sûr que ça arrive après une grosse déception, mais on est des professionnels, on doit savoir se remobiliser et se remettre à un autre objectif à très court terme qui est de bonifier cette très bonne CAN que nous avons pu faire en décrochant une médaille. C'était donc Sébastien De Sabre qui est, lui, très motivé pour disputer cette rencontre. Pour lui, il est très important de terminer sur une bonne note cette compétition. Lui qui a réussi à transformer cette formation de la République démocratique du Congo, qui a beaucoup séduit tout au long de cette compétition, qui a réussi, on va dire, une excellente CAN, même en cas de défaite ce soir face à l'Afrique du Sud. D'ailleurs, Sébastien De Sabre parle de l'objectif d'une telle rencontre. On le sait, on est parti sur une ligne de 48 équipes en phase de qualification. À un moment donné, on était même presque 48e parce qu'on avait perdu nos deux premiers matchs de qualification. Et puis au final, on arrive dans les 4 premiers sur tout le continent. Donc nous, on est forcément déjà contents de ce qu'on a fait. Mais on a tellement bien vécu ces moments-là qu'on a envie de partir sur une note positive. Et c'est en gagnant le match, qui plus est un match qui peut nous apporter une médaille, ça voudra dire qu'on a bien su tirer tout parti de notre effectif et il faudra féliciter les joueurs qui sont les acteurs premiers de cette réussite. Sébastien De Sabre, donc, qui attend cette rencontre avec impatience, notamment pour que ses joueurs se fassent plaisir. Et généralement, lors de ces rencontres, les entraîneurs font rentrer la deuxième équipe ou les joueurs qui n'ont pas beaucoup évolué lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et de son côté, le sélectionneur sud-africain, le Belge Hugo Broos, n'est pas aussi motivé à disputer cette rencontre pour la 3e place. Il estime que cette rencontre est inutile. Le match de demain est spécial. Cela dépendra du mental des deux équipes qui se sont fait éliminer à une marche de la finale. Croyez-moi, c'est une grosse déception pour les joueurs. Si vous me demandez mon avis, je pense que ce match n'a pas d'importance. Car dans un tournoi pareil, ce dont les gens se rappelleront, ce sera qui a remporté le tournoi. Mais terminer 2e ou 4e, ça c'est seulement pour les statistiques. Le numéro 1 est important. Le numéro 1 sera toujours gravé dans les mémoires des amoureux de ce sport. Alors encore une fois, j'espère que mes joueurs réussiront à dépasser cette déception demain face à la RDC, et bien que certains de nos titulaires ne seront pas alignés lors de ce match. Et Hugo Broos donc estime que cette rencontre n'est pas très motivante. Il n'est pas le seul à penser une telle chose. Par exemple, beaucoup de sélectionneurs sont contre l'idée de disputer ce qu'on appelle cette petite finale. À l'image du sélectionneur, plutôt de l'entraîneur, du technicien hollandais Luis Van Gaal, pour lui, il milite pour faire annuler ce match pour la 3e place, notamment
en Coupe du Monde. Et il faut savoir qu'à l'Euro, il n'y a pas cette rencontre pour la troisième place. On s'en contente juste de la finale. Et sur, on va revenir sur cette petite finale. On va voir l'avis de l'ex-international français Alain Giresse. Dans l'histoire, ce sont aussi des pays qui ont connu la victoire, hein, qui ont gagné ce titre-là, ils l'ont déjà gagné, et on ne les attendait pas. Et en même temps, vous savez, je connais cette finale pour l'avoir vécu moi-même. C'est particulier. Pourquoi ? Parce que vous avez deux équipes qui ont quand même, qui sont déçues de leur demi-finale, qui sont un petit peu abattues et qui vont jouer une finale. Alors, il faut vite se remobiliser, éliminer un petit peu cette déception. Parce que la troisième passe, c'est quand même quelque chose à faire. Voilà, c'est l'équipe qui sera capable de passer au-dessus de la déception que l'une et l'autre ont connue pour attraper cette troisième place et d'être sur le podium. Pour Alain Giresse, donc, cette troisième place va un petit peu atténuer la déception de la défaite en demi-finale. Et comme le dit Hugo Brousse, le plus important, c'est le numéro 1. C'est celui qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça sera demain à partir de 21h, cette rencontre, cette finale entre la Côte d'Ivoire, le miraculé de cette Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire qui avait dû attendre la troisième journée, ses joueurs ont dû attendre 3 jours jusqu'à ce que la phase de groupe se termine pour se qualifier parmi les 4 meilleurs 3e de la compétition. Donc, et en 8e de finale, la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée face au Sénégal. La Côte d'Ivoire qui était éliminée à 5 minutes de la fin de la rencontre. Il a fallu ce but égalisateur de Franck Kessié et la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée au tir au but. Et en quart de finale, il y a eu également la Côte d'Ivoire qui était éliminée à la fin de la rencontre puisqu'elle était menée par le Mali 1-0. Puis il y a eu ce but égalisateur de Simon Adingra à la 90e minute de jeu. C'était inespéré avant que son coéquipier Omar Diakité ne marque le 2e but de la qualification dans les prolongations à la 120e plus 2 minutes. Et du côté du Nigeria, donc on avait entamé cette compétition tout doucement, mais au final, le Nigeria qui va disputer sa 8e finale de son histoire. Le Nigeria qui a remporté à 3 reprises la Coupe d'Afrique des Nations et qui a perdu 4 finales. Le Nigeria qui a également terminé à 8 reprises à la 3e place. C'est pour vous dire que le Nigeria est un géant d'Afrique. Il veut s'offrir un 4e titre à l'occasion de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Et on va un petit peu scanner le parcours et cette sélection nigériane en compagnie de notre confrère Patrick Juard de Football 365. Donc Patrick Juard qui revient sur le parcours du Nigeria. Et Nigeria donc qui a commencé très difficilement cette compétition. Le Nigeria avait mal commencé son parcours dans cette CAN 2023 avec un match nul, un partout contre la Guinée équatoriale, une rencontre pendant laquelle les Super Eagles s'étaient créés beaucoup d'occasions mais n'avaient pas concrétisé la plupart et avaient surtout flotté défensivement, donc ils étaient un peu en manque d'équilibre. Et à partir du deuxième match, le sélectionneur José Pesero est repassé à une défense à 3 qu'il avait déjà testé en match amical de préparation à la CAN contre la Guinée, et ce choix s'est avéré très inspiré. L'inclusion de Calvin Bassey en défense a donné de la sécurité à Troostekong et à Jai, qui sont de bons défenseurs mais plutôt des joueurs assez lents. Et Bassey, au contraire, est un joueur très rapide pour un défenseur. Donc ces deux pôles, disons, donnent une défense très, très sûre et complète. Et ça permet de donner une assise à cette équipe. Ensuite, le double pivot au milieu, Onyeka, Iwobi, se partage très bien les rôles. Et puis en attaque, on a des joueurs exceptionnels. Osimhen, Lookman, Chukwueze, Moses Simon. Donc ensuite, le parcours du Nigeria a été fait de victoires sans net et sans bavure, jusqu'à ce match en demi-finale contre l'Afrique du Sud, où là c'était un petit peu plus accroché, mais où le Nigeria a montré qu'il avait de la ressource, avec notamment le gardien Nwabali qui a sauvé son équipe en sortant 2 pénaltys adverses.
Le Nigeria, donc, qui a pu s'appuyer sur sa défense, une défense qui n'a encaissé que deux buts lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le point fort de cette sélection nigérienne, estime Patrick Juard. La première force du Nigeria, c'est la défense. C'est paradoxal parce qu'on sait que le Nigeria, c'est une équipe qui est en général plutôt estimé pour ses attaquants, sa puissance offensive. Et là, à cette CAN, la force du Nigeria, c'est son côté hermétique. Il y a eu 4 matchs sans encaisser de but entre la première journée des poules et les demi-finales. Donc ça, c'est une grande réussite du sélectionneur José Pesero. Ensuite, je trouve que la circulation de balles est très bonne. L'occupation du terrain est très rationnelle. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun est à sa place et c'est une équipe très bien huilée. On comprend très bien comment elle joue quand on la regarde. Et pour les adversaires, c'est pas simple parce qu'il y a des automatismes, il y a de la qualité technique, il y a des transmissions sûres entre les lignes et entre les joueurs. Donc bah, ça donne beaucoup de certitude à cette équipe qui arrive souvent très confiante et qui peut imposer son jeu. C'est une équipe qui a des ailiers vraiment d'une qualité incroyable. Lookman, Moses Simon, Chukwueze, bon, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux à cette CAN. Et puis on a Osimhen qui est le leader d'effort, qui est le joueur. Alors il ne marque pas beaucoup à cette CAN, mais il est partout. Il est à la récupération, il va aider la défense sur les corners, il va haranguer le public quand il pense qu'il ne supporte pas assez. Donc voilà, tout ça fait que le Nigeria est une équipe extrêmement complète et elle s'est en plus trouvé un gardien de but. C'était le point faible ces dernières années. Avec Nwabali dans le but, elle a un gardien solide et puissant et qui s'impose dans sa surface. Et cette sélection nigérienne tout à fait, qui est parfaite, presque parfaite, a un point faible selon Patrick Juard. Les points faibles du Nigeria, c'est plutôt parfois une difficulté à concrétiser. C'est une équipe qui ne marque pas assez par rapport aux occasions qu'elle se crée. Et c'est une équipe qui parfois peut un petit peu être trop dans la gestion. Avoir des temps faibles. Alors pour l'instant, ça ne va pas coûter trop cher, mais il va falloir que le Nigérian, en finale, remonte un peu le curseur à ce niveau-là. Et puis, ça, si on regarde le nombre de buts marqués, il y a beaucoup de matchs gagnés 1-0 davantage grâce à la solidité défensive qu'à la puissance de l'attaque. Mais il faut rappeler aussi que le Nigeria a perdu pas mal d'attaquants, Victor Boniface, Oumar Sadik. Donc c'est peut-être un peu le point faible et les remplaçants ont eu peu de temps de jeu jusqu'alors. Je pense à Teram Mofi ou Paul Onuachu. Donc peut-être que ça peut être aussi la bonne surprise de la finale, même si pour l'instant c'est encore assez dépendant du trio de titulaires, Lookman, Osimhen et puis Moses Simon en général, voire Chukwueze. Mais à cette réserve près, je trouve que le Nigeria est bien armé pour gagner un quatrième trophée. Et sur le plan offensif, le Nigeria qui peut compter sur sa star, le joueur de Naples, Osimhen. Mais Osimhen qui n'a marqué qu'un seul but depuis l'entame de la rencontre, plutôt de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que Osimhen est le meilleur buteur de la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc le Nigeria demain affrontera la Côte d'Ivoire. Et la Confédération africaine donc qui a désigné le Mauritanien Baïda Dahan pour diriger cette rencontre. Baïda Dahan, le Mauritanien, n'a dirigé que 3 rencontres dans le match de groupe entre l'Égypte et la Mozambique qui s'est terminé sur un score de parité, 2 buts partout. Et le 8e de finale entre l'Angola et la Namibie ainsi. Donc c'est les rencontres qu'a dirigé le Mauritanien Baïda Dahan. Et entre informations concernant les éléphants, donc qui se présenteront au complet. Il n'y aura pas de blessés ou de suspendus pour la finale. Donc Emers Faye qui pourra compter sur l'ensemble de ces éléments pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on rappellera qu'aujourd'hui se disputera la petite finale pour la 3e place entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Ça sera à partir de 21h. Et demain, place à la finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ça sera également à 21h. Ainsi se termine cette spéciale CAN de la mi-journée.